Nous pouvons choisir vectors pour free subtopic c'est vector equation of lines. Equation of a line, nous pouvons connaître deux types equation of a line. Premier, c'est Cartesian equation of lines. Ça nous apprend de la classe. Ce general format, c'est y is equal to mx plus c, where m, c'est gradient sur la ligne là. C, y intercept of the line, et x et y, c'est coordinates of points on the line. Et equation of a line, qui son objectif, c'est les de nous qui relation qui est là en tout bon point x, y, l'eau la ligne là. Par exemple, si nous avons la ligne sur l'équation de y is equal to 2x plus 1, veut dire que la ligne n'est pas qui point qui nous prend sur coordinate si nous avons satisfaire sa relation là. Par exemple, si nous avons un point sur x coordinate de n, la y coordinate est 2 fois n plus n fait 3. Alors, tout bon coordinate sur la ligne là, il satisfaire sa relationship là. Alors, Cartesian equation of a line de nous qui relation est là en tout point de la ligne là, sur x et y coordinates. Next, nous pouvons prendre vector equation of lines qui reste de format r is equal to a plus lambda b, where a is the position vector of any given point on the line. Alors, a, c'est position vector n point de la ligne là. B, qui était ça, c'est direction vector of the line. R, c'est vector x, y, ça l'est pour général, les points variables. Et ça, c'est position vector of points on the line. Ça l'est pour donner la relation qui est là en tout bon point de position vector. Alors, R qui est variable ici, dit x, y. Et que lambda, c'est paramètre. Ok, il y a un paramètre. Que tu peux dire, each point on the line has its own value of lambda. Alors, chaque point de la ligne, il a sa propre valeur lambda. Par exemple, nous prenons un exemple. R is equal to 2, 3. Plus lambda n2. Alors, si nous faisons n point sur position vecteur, nous pouvons remplacer la valeur lambda. Alors, quand nous remplaçons lambda égale n, nous pouvons r égale 2, 3 plus n fois n2. Alors, r pour égal 2 plus n fois n fait 3. 3 plus n fois 2 fait 5. Alors, or, rappelle bien, c'est xy, c'est un point sur position vecteur, là, 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 nous avons un point sur position vecteur. Alors, ça, c'est une variable, différents valeurs lambda pour donner-toi différents or, ça va être différents valeurs lambda pour donner-toi différents points sur position vecteur, là, là, là. Nous étudier l'équation de la ligne plus en détail. Cartesian equation of lines, ce general format, c'est y is equal to mx plus c. Quand nous trouvons m, il représente gradient de la ligne là. C, c'est y intercept of the line. X et y, c'est coordinates of points on the line. Et Cartesian equation of lines, il donne toi relation qui est là entre tout bon point de coordinates sur l'eau la ligne là. Par exemple, y is equal to 2x plus 1. Ok, ça c'est équation n la ligne, Cartesian equation of a line, que m égale 2, ça c'est gradient de la ligne là, c égale n, y intercept of the line, et x et y, ça c'est même variable, que les représente coordinates de point, l'eau la ligne là. Alors, quand nous avons Cartesian equation of a line, nous sommes capables de faire une table of values, que nous capables de remplacer différents valeurs x pour gagner différents valeurs y, et que nous pouvons mettre coordinates de point, l'eau la ligne là, et là, là nous capables sketch sa line là. Alors ça c'est application de Cartesian equation of lines. Vector equation of lines qui reste dans le format r is equal to a plus lambda b. Alors nous essayons de comprendre vector equation of lines. Ici il dit que a c'est position vector of any given point on the line, b c'est direction vector of the line, r c'est en général x, y, c'est position vector of points on the line, et lambda, c'est un paramètre que each point on the line has its own value of lambda. Et nous prenons un exemple, ça c'est un, la ligne. Nous avons vu ce vector equation. Alors, rappelle bien que vector equation of a line, il peut donner toi position vector of any point on the line. Alors, position vector, c'est vector relative to origin. Alors, si nous avons un point, l'eau la ligne là, ce position vector est A. Alors, ça, c'est position vector of any given point on the line. Alors, fait que maintenant, on a un point. Nous connaissons ce point-là. Ce position vector, ça veut dire vecteur depuis origine pour ce point-là, li A. Alors, la position vector, ce point-là, li pouvait une R is equal to A. Ou, valeur lambda, nous pouvons remplacer 0 fois B. Là, qui R pouvait une A. Parce que position vector, nous gagnons par sa vector equation-là. Quand nous remplaçons lambda par 0, là, nous gagnons R égale A.
Je veux dire, pour premier là, ça c'est starting point on the line, c'est quand valeur lambda est 0. À ce next, nous avons un point, la ligne là. Pour dessiner la ligne, un point n'est pas suffisant, nous avons l'autre point. Alors, comment nous pouvons gagner l'autre point là? C'est nous pouvons faire direction vector of the line. Alors, si direction vector of the line est B, alors rappelle bien direction vector of the line, il dit toi comment tu sortis un point à l'autre point, la ligne là. Alors, si vous pouvez remplacer valeur lambda par n, c'est là qui peut arriver. Equation là pour venir A égale A plus N fois B. Alors, depuis origin, on finit faire E. À ce stade, on fait N fois B. Ça veut dire N fois direction vector. Ça veut dire N fois B. A plus N fois B. C'est là qui peut arriver un autre point, la ligne là. Là, ça là, ce position vector, ce point là, c'est A plus N fois B. A plus N fois B. À ce stade, pour aller un autre point, la ligne là, nous avons combien de fois nous pouvons faire sa direction vector là. Par exemple, si valeur lambda est 2, l'équation pour une A égale A plus 2 fois B, veut dire, depuis origin, nous prenons ça initial point A là, là nous faisons 2 fois B, ça c'est N fois B, et un deuxième fois B, nous pouvons venir ça point là. Alors ça point là, ce position vecteur pour une A plus 2B. Alors ici, nous pouvons A plus 2B, ça c'est position vecteur, ça point là. Next, si nous besoin l'autre point, par exemple, si nous remplaçons valeur lambda par négative 1, là, les pouvines A égale A retire NB. Alors, qui nous peut gagner? Et là, il peut donner ta position vecteur. Un autre point, c'est que ce valeur lambda est négative 1. Qui ça veut dire valeur lambda est négative 1? Depuis nous initial point, là, nous pas fait NB, nous fait négative NB. Dans la opposite direction, là, qui nous peut arriver à un autre point, là, là, sans la position vecteur, A retire NB. Alors, comment on peut trouver différents valeurs lambda et de nous différents points sur la ligne là? Alors, ça même nous dire que each point on the line has its own value of lambda. Ou vous pouvez remplacer valeur lambda, là vous connaissez depuis sa initial point, combien de fois vous pouvez faire direction vector pour venir de ce point là. Ça, c'est vector equation of lines. Alors, qui nous peut comprendre ici que A peut donner toi position vecteur ben point sur la ligne là ou vous pouvez remplacer valeur lambda. Ok, A c'est position vector and initial point de la ligne là, et la B c'est direction vector of the line. Allez, recap. Position vector of a point, nous apprenons que position vector of a point, it is the vector which represents the position of the point relative to the origin O. Par exemple, si nous avons un point A, ce coordinate c'est 3n, alors position vector of point A, les pouvons OA, les pouvons 3n. Ok, alors position vector point A, si vous connaissez point A, ce coordinate c'est 3n. Position vector of point A, c'est depuis origine pour A, sa vecteur là, OA, est pour 3n. And let's recap the direction vector of a line. It is a vector that shows the direction of the line, or it is a vector that takes from one point on the line to another point on the same line. Note, a line can have many direction vectors and all of them are scalar multiples of each other. Par exemple, ça c'est la ligne. Et direction vector of the line, il est capable nn parce que nous pouvons avoir un vecteur qui peut montrer la direction de la ligne. Comment nous sortir un point pour aller à l'autre point? Ça c'est vecteur nn. Nous sommes capables aussi de gagner vecteur 2,2 aussi de montrer la direction de la ligne. Nous sommes capables de prendre ce point là, venir ce point là. Alors, si il y a un vecteur qui peut sortir un point de la ligne puis un autre point de la ligne, il y a une direction vector of the line. Un autre exemple, c'est négative n, négative n. Oui, si nous prenons un point par un autre point, ça c'est vecteur négative n, négative n. Il peut prendre un point de la ligne puis un autre point de la ligne, ça c'est vecteur négative n, négative n. Tout ça, c'est une direction vector of the line. OK? Alors, nous sommes capables d'observer que tout ce point là, c'est scalar multiple of each other. Ça c'est un n fois nn. Ça en est 2 fois nn, ça en est négative n fois nn. Alors, nous trouvons que direction vector of the line, c'est scalar multiple de nn. Next, une question, do parallel lines have same direction vector? Yes, parce que c'est la même direction si nous dessinons une parallel line ici. Ou vous trouvez que ça la ligne là, dit aussi ce direction vector pour nn. Pareil que moi l'autre là. Alors, parallel lines have same direction vector. Nous travaillons par un exercice NA. Ici, nous allons prendre Cartesian equation of a line. Il dit que two points A and B lying on the line L are shown, et dans la ligne L, et à point A et point B, low la ligne L, write down the coordinates of A and B. Alors, point A, ce coordinates, les négative 3, négative 2, et point B, ce coordinates, c'est négative n, n.
Et next part C, B, find the Cartesian equation of the line. Alors, comment on voit le Cartesian equation of the line? Nous avons deux points se coordonner sur la ligne là, négative 3, négative 2, et négative n, et n. Et nous pouvons besoin de Cartesian equation of the line avant de voir gradient. Alors, gradient ici, nous pouvons y2 minus y1 sur x2 minus x1. Alors, gradient pouvons venir négative, négative, in positive. N plus 2 fait 3. Et ici, négative, négative, in positive. Négative n plus 3 fait 2. Ça, c'est gradient of the line. Next, nous get y-intercept. Comment nous faire ça? Nous remplace gradient de nos equation y is equal to mx plus c. Pour gagner c, nous pouvons prendre n parmi ces deux points-là. Ce coordinate, si nous pouvons remplacer, nous pouvons prendre deuxième point. Remplace ce y x coordinate. Alors, y coordinate dit n égale 3 sur 2 fois x coordinate dit négative 1 plus c. Alors, ici, nous pouvons n égale 3 sur 2 fois négative n, il fait négative 3 sur 2, soit négative n.5 plus c. Nous avons négative n.5 à gauche, devine n plus n.5 égale c. Valeur c pour venir n plus n.5 fait 2.5. Alors, Cartesian equation of the line, ça s'appelle ça Cartesian equation. Il pour venir y is equal to m, dit 3 sur 2, ou n.5, x plus c, dit 2.5. Ça, c'est comment nous calculons ou comment nous route Cartesian equation of a line. Astère, nous pouvons get vector equation of a line pour même la ligne L, partie A. Two points A and B lying on the line L are shown. Write down the position vectors of A and B. The Cartesian equation nous est concerné avec coordinates of points. Ici, nous concerné avec position vectors of points. Alors, premier, position vector of point A, OA, li, négative 3, négative 2. Et position vector of point B, OB, li, négative n, n. Next, in here, partie B, find the direction vector of line L. Alors, direction vector of line, nous capable de gagner comment nous sortir n point pour aller l'autre point de la ligne. Ici, nous avons deux points qui nous donnent nous, A et B. Nous capable de dire AB, the direction vector of the line, ou BA, n'importe n. Alors, nous capable de gagner plusieurs direction vectors, parce que direction vectors, il y en a beaucoup loin de la ligne. C'est juste que nous avons n point pour aller l'autre point. Ici, nous capable de prendre A pour B, ça c'est direction vector of the line. Et comment nous gagnons AB, nous fait OB minus OA. Alors, nous connaissons OB de négative n, n. Nous pouvons retirer OE de négative 3, négative 2. Alors, il y a négative n plus 3 fait 2. Et n plus 2 fait 3. Ça, c'est direction vector of the line. Et next, nous define the vector equation of line L. Alors, pour gagner vector equation of line L, ce format de R is equal to A plus lambda B. Alors, A et B, nous ne pouvons pas remplacer. R et lambda, ça, c'est même variable. Nous quittons pareil. A égale. Aster et c'est position vector of a given point on the line. Alors nous avons deux options. Nous pouvons prendre OE ou OB, n'importe n parmi ça de là. Alors nous prenons OE plus Aster lambda fois B, c'est direction vector of the line. Alors direction vector of the line, nous pouvons prendre A poil B. Alors comment vous trouvez ici position vector of a given point? Nous sommes capables de prendre l'autre option, nous sommes capables de prendre OB. Et direction vector of the line, ça là aussi, nous sommes capables de prendre l'autre option, nous sommes capables de prendre BA de place AB. Alors, nous gagnons vector equation of the line, A égale OE, li négative 3, négative 2, plus lambda fois AB, li 2, 3. Ça, c'est vector equation of line L. Partie D, for the vector equation of line L obtained in part C. Alors, qui nous gagne vector equation of the line, nous avons A égale négative 3, négative 2, plus lambda fois 2, 3. Injef, find the value of lambda for position vector of point A. Alors, pour nous gagner position vector of point A, qui valait lambda li pour être? Alors, qui nous capable faire ici, vu qu'il nous a vector equation of the line, alors point A ici. Alors, depuis origine pour A, à cause de nous démarrer nos points initial de négative 3, négative 2, alors valait lambda pour besoin 0. Alors, quand nous pouvons remplacer valeur lambda par 0, là, A pour venir négative 3, négative 2, plus 0 fois 2, 3, là qui nous pour gagner négative 3, négative 2, position vector of point A. Alors, valeur lambda pour besoin 0, ça c'est nos initial point. Depuis origine, nous pour A, alors valeur lambda pour 0. Next, ça c'est direction vector 2, 3. Mais depuis nos initial point, c'est nous pour boost 2, 3. Ça c'est n fois, c'est nous pour boost 2, 3. N fois 2, 3, nous pour venir ici. Alors, valeur lambda pour point B, pour n. Parce que depuis origine, nous pour besoin finir faire
et nous avons fini en côté et là nous avons fait n fois direction vector. Alors valeur lambda pour besoin n pour deuxième partie parce que si nous remplace lambda par n dans nos vector equation of line négatif 3, négatif 2, plus n fois 2, 3, nous pouvons gagner position vector point B, et position vector point B devine négatif n, n. Next, nous avons position vector point C. Alors, depuis nos initial point A, nous pouvons boost n fois direction vector, et encore n fois, nous pouvons boost 2, 3, pour nous avoir le point C. C'est-à-dire, point C, ce valet lambda ici, du coup, 2. Alors, quand nous pouvons remplacer valet lambda par 2 ici, il faut venir négatif 3, négatif 2, plus 2 fois 2, 3. Alors, si nous simplifions, il faut venir négatif 3, négatif 2, plus 2 fois 2 fait 4, 2 fois 3 fait 6. Alors, si nous évaluons, nous pouvons trouver qu'il faut venir n4. C'est là qu'il nous gagne. Position vector point C, la vérité dit n4, il se valait lambda, il faut 2. Alors, nous faisons bien attention. À cause de nos initial point du point A, là, ici, ce valet lambda est 0, ici, valet lambda est pour n, ici, valet lambda pour 2. Nous sommes capables de prendre nos initial point ici, point B. Là, point B, ici, valet lambda est pour 0, côté C, est pour n, côté A, est pour négatif n. Alors, tout dépend que tu peux prendre au initial point. OK, ça, initial point, c'est qui, où est notre position vector là, depuis ici, le relative to this point, nous avons besoin de combien de fois nous faisons direction vector pour aller à l'autre point, l'eau la ligne là. Partie E, use the vector equation of line L obtained in part C. Alors, part C, qui vector equation nous gagnons? R égale négatif 3, négatif 2, plus lambda fois 2, 3. Alors, l'indice, check if the points lie on line L or not. Alors, nous avons point D dit 3, 7. Alors, vous finissez de trouver qui 3, 7. Ici, nous allons trouver dans nos Cartesian plane, 3, 7. Capable point 3, 7, pour trouver le line L. Comment nous capable check ça? Servi vector equation of the line. Alors, si point D, il y a un point low la ligne là. Alors, depuis nos initial point, ici, valeur lambda est 0. Nous avons besoin de checker combien de fois nous pouvons faire sa direction vector 2, 3 là. N fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce qu'il y a une valeur lambda ou une quantité de fois qui nous besoin de faire sa direction vector là pour nous avoir le point D? Comment nous checker ça? Nous prenons position vector point D, ODI, les 3, 7. Nous pouvons remplacer ici. Nous pouvons checker un coup si il satisfy equation là. Si il peut satisfy equation là, il peut besoin de sa valeur lambda spécifique pour lui. Alors nous checker lui. 3, 7 égale. Ici, nous pouvons combiner ces deux vecteurs là, ils peuvent venir négatif 3 plus 2 lambda et négatif 2 plus 3 lambda. Alors, ça nous équate x components. Alors, si nous équate, il vient négatif 3 plus 2 lambda égale 3. 2 lambda pour venir 3 plus 3 fait 6, valeur lambda pour venir 3. Next, nous équate y components, ils peuvent venir négatif 2 plus 3 lambda égale 7. 3 lambda pour venir 7 plus 2 fait 9, valeur lambda pour venir 3. Alors, il y a un pour autant qu'il nous gagne même valeur lambda de tous les deux, parce que sa valeur lambda, il besoin de satisfaire x et y components. Alors, si vous prenez valeur lambda égale 3, vous remplacez le vector equation R égale négatif 3, négatif 2, plus 3 fois 2, 3. Là, vous pouvez gagner position vector of point D, divine 3, 7. Alors, nous pouvons réussir à gagner une valeur lambda pour ce point D là. Alors, nous conclusions, est-ce que point D trouble la ligne là? Yes! Point D lie on the line parce que nous pouvons gagner ce valeur lambda. Comment nous dire, chaque point de la ligne est dans ce propre valeur lambda. Et valeur lambda pour point D, il peut venir 3. Et qu'il y a un pour autant, quand nous check, quand nous équate deux x component et y component, il peut gagner même valeur lambda qui satisfait sa équation. Alors, nous check pour point E. Point E se coordonner si négatif 5, négatif 6. Moi, j'ai envie de connaître si point là, il trouve la ligne là. Alors, point E se positionne vecteur, il vient négatif 5, négatif 6. Nous pouvons prendre l'île, nous pouvons remplacer l'île dans vector equation of the line. Il peut venir négatif 5, négatif 6 égale. Alors, nous pouvons combiner, nous remplace valeur R par négatif 5, négatif 6. Right hand side, nous pouvons combiner ces deux vecteurs là. Il vient négatif 3 plus 2 lambda et négatif 2 plus 3 lambda. Alors, nous équate tous les deux. Si nous équate x component, c'est pour venir négatif 3 plus 2 lambda égale négatif 5. 2 lambda pour venir négatif 5 plus 3. Fait négatif 2, lambda vient négatif n. À ça, nous pouvons équate 2 y components. Négatif 2 plus 3 lambda vient négatif 6. 3 lambda pour venir négatif 6 plus 2. Négatif 6 plus 2 fait négatif 4. Lambda pour venir négatif 4 sur 3. Alors, vous pouvez trouver, nous ne pouvons pas réussir un valeur lambda qui peut satisfaire sa équation là pour nous gagner position vector point I. Alors, answer, est-ce que point E, il y a un point low la ligne là? Réponse est non.